Mon nom est Rito Joseph, conférencier sur l'aspect culturel identitaire. Je fais aussi les promenades historiques avec Black Montreal Experiences. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mes quatre choix de livres. Donc, premièrement, il y a Le Grain de sable qui est écrit par un très bon ami à moi, Webster, qui relate la vie d'Olivier le Jeune, donc la première personne noire répertoriée ici, c'est-à-dire le premier esclave noir en Nouvelle-France, qui sera aussi la première personne à aller à l'école ici. Donc, très bon livre que je suggère aux enfants comme aux adultes. Ensuite, il y a La pendaison de Marie-Joseph Angélique, qui est écrit par Dr. Afua Cooper, qui nous relate la vie de cette dame, Marie-Joseph Angélique, de son nom, Nouvelle-France, qui est née au Portugal, qui est née à Madère, qui a vécu ici, qui a été accusée d'avoir mis le feu à Montréal en 1734. Donc, troisièmement, il y a aussi Fear of a Black Nation de David Austin, qui relate la vie des communautés noires dans les années 60, mais pas juste les communautés noires, mais les mouvements anti-impérialistes, les mouvements anti-racistes, les mouvements de décolonisation, que ce soit de par le continent africain, les émeutes dans les communautés afro-descendantes, et comment tout ça, en fait, impacte le na nationalisme québécois. Ensuite, quatrièmement, il y a Les Noirs à Montréal de Dorothy Williams, qui est un parcours démographique de la communauté noire, c'est-à-dire comment elle est arrivée avec les porteurs dans les trains à la fin du 19e siècle et comment même ces communautés vont se faire gentrifier et va donner aussi place à une nouvelle communauté noire, la communauté haïtienne qui arrive ici même à Montréal. Donc je pense que c'est important de comprendre ces parcours entre les différentes communautés afro-descendantes, multiculturelles qui existent sur l'île de Montréal à la grande échelle du Québec, du Canada, pour pouvoir avoir cette compréhension globale de qui on est. Donc, merci beaucoup. Mon nom est Rito Joseph. J'espère que vous allez apprécier ces lectures.